Bonjour Samy. Bonjour Soraya. On va parler aujourd'hui de piratage, ou plutôt de faux comptes qui font de plus en plus leur apparition sur les réseaux sociaux. J'en ai même fait les frais, plusieurs de nos collègues également. Certains vont vers l'usurpation d'identité, mais pour la majorité, l'objectif reste de propager des fausses rumeurs et des fake news aidés par les algorithmes des réseaux sociaux. Comment ça se passe? Alors vous les aurez peut-être déjà croisés, donc sur les réseaux sociaux, c'est des faux profils, des comptes récemment créés qui interagissent avec d'autres internautes dans des communautés, des pages, des groupes et d'autres espaces virtuels dédiés au débat, à l'échange d'idées transformés peu à peu par ces faux profils en un champ de bataille où règnent régionalisme, haine gratuite, désinformation et autres fléaux du même genre. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'un faux profil? Un profil créé de telle sorte à rester relativement anonyme, pouvoir poster un contenu haineux, de fausses rumeurs dans de multiples pages et garder ainsi une tendance, une rumeur active, généralement aidé par d'anciennes vidéos qui suivent le scénario voulu ou autres contenus multimédia falsifiés, truqués, pour convaincre un maximum de personnes. Alors on va imaginer alors que vous, Hakim, moi, Soraya, le reste de la régie donc non ici présente, nous allons tous créer, on va dire, 5 faux profils chacun. Alors ce qui est plus que gérable, ce qui nous fait un total de 50 faux profils, alors que nous sommes à la fin et finalement, à peine une dizaine de personnes. Alors c'est ainsi que des réseaux se créent en ligne, profitant des algorithmes derrière ce contenu rapide, dont la plupart du temps partagé sans être vérifié, pour publier du contenu toxique, fake news et autres, créer le buzz et influencer les internautes. Toujours vérifier tout contenu douteux sur les réseaux sociaux, au final, ça ne prend que quelques secondes. Quelques secondes qui peuvent être très dangereuses pour les autres. Merci beaucoup Sam. Merci à vous. On vous retrouve dès dimanche dans la matinale, 7h46 minutes.